Cette vidéo a été rendue possible grâce au programme EA Game Changers. Et bonjour tout le monde, ici Cassiel, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'un tout petit let's play. Comme je l'expliquais dans les vidéos précédentes pour la présentation du kit Tricot de Pro, nous avons dans ce kit une nouvelle aspiration qui m'a donné envie d'approfondir un petit peu la découverte du gameplay avec vous et de faire exceptionnellement un petit let's play vraiment juste pour pouvoir voir un petit peu ce que l'aspiration nous réserve. Donc l'aspiration, la voici. Je ne veux pas encore voir le trait de récompense, je ne l'ai pas encore lu en détail. J'ai vu la petite photo de Yarny, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le petit bonhomme rouge. C'est une référence à Unravel, qui est un autre jeu d'Electronic Arts. Et du coup, voilà, on a cette petite poupée, ou cette petite, je ne sais pas trop comment dire, dans le kit, en clin d'œil. Et du coup, on l'a aussi sur l'image de la récompense de l'aspiration. J'aimerais lire ça plus tard, voir un petit peu la surprise. Et du coup, je vous ai préparé une petite famille pour qu'on puisse un petit peu jouer avec. Je pense que je vais mettre quasiment tout le monde au tricot. Voilà, mamie, elle va faire du tricot. Sa fille va faire du tricot. Sa petite fille va faire du tricot, juste pour qu'on voit un petit peu comment c'est mignon l'interaction de la personne âgée qui enseigne à l'enfant le tricot. Je voulais vraiment explorer ça. Voilà, donc on a un monsieur, hein, parce que c'est un couple qui a eu un enfant et qui vit avec la grand-mère qui est dans cette petite extension de maison, enfin cette petite dépendance. Comme je vous l'ai expliqué, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mettrai le lien de la présentation du kit et du speed build de cette petite maison que j'ai sorti hier. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Et donc voilà, le but c'est pas de faire un grand let's play super narré, etc. C'était vraiment pour découvrir à fond le gameplay, ce que généralement je prends pas forcément le temps de faire beaucoup dans les présentations de kit, parce que en temps normal il n'y a pas beaucoup de choses à passer en revue. Sauf que pour le coup, comme je disais, comme on a une aspiration, j'ai envie de voir ça un petit peu. Donc ce sera vraiment du jeu pur, hein, du jeu technique. Voilà, donc comme ça, vous êtes prévenus, mais je trouvais ça rafraîchissant de pouvoir faire un tout petit let's play comme ça, pour changer. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le speed build, voici la petite maison. Donc c'est une mini maison de deuxième niveau. Donc non seulement je voulais mettre en avant le kit avec cette construction, mais en plus c'est une mini maison. Donc je trouvais ça sympa de mélanger les deux. Avec une terrasse qui relie en fait les deux constructions. Donc de ce côté nous avons la pièce principale qui est donc la cuisine, la salle à manger, le salon, tout en un. Voilà, donc on a, c'est tout fonctionnel évidemment, mais c'est tout petit, c'est cosy. On a la cuisine de ce côté, on a une table ici et une petite télé, c'est celle de Ecology. Et de ce côté on a donc l'unique salle de bain du terrain. Voilà, ça reste une salle de bain, c'est très classique. Voilà. À l'étage, on monte par l'échelle. On a en fait une espèce de grande chambre avec un renfoncement pour une autre chambre, on va dire. Donc vous avez les parents qui dorment ici. Et de ce côté, on a le lit de la petite. Et si on revient du coup à la dépendance, c'est là que mamie va pouvoir passer son temps. Voilà, elle a son espace à elle, son lit, une chaise à bascule, de la déco, enfin du tricot, tout plein de trucs pour elle, donc c'est chouette. Et de ce côté, on a un autre bout de terrasse avec le barbecue et la table pour dehors, une grande piscine, comme ça, voilà, ils pourront se détendre et se rafraîchir. Pour ceux qui sont intéressés, alors c'est pas forcément le but du let's play, mais j'ai mis des jardins verticaux si vous voulez faire un potager. Et on a des chaises longues, voilà, et un récolteur d'eau. Vous avez également des panneaux solaires sur le toit. Et là, en faisant la visite, je me rends compte que toutes les peintures de terrain ont disparu. Enfin, presque toutes. Il y en a un tout petit peu ici, mais tout le reste a disparu. Je suis contente. Ce bug-là, ah, c'est mon grand ami. Voilà, et donc rapidement, nous avons mamie qui s'appelle Erin, la fille qui s'appelle Donna. Pour ceux qui l'ont reconnu, son mari, c'est Atlas de mon challenge des 4 éléments. Et la petite s'appelle Bonnie. Première chose qu'on va faire, qui n'a rien à voir avec le tricot, enfin, en quelque sorte, on va aller essayer de faire un bébé. Essayer de faire un bébé dans la douche, parfait. Parce que ça sera le seul moyen pour nous de pouvoir voir les grenouillères pour les bébés. Je vous en ai parlé dans la vidéo de présentation. Pourquoi ils peuvent pas y aller? Qu'est-ce qu'ils ont? Alors, viens ici et viens ici. Ah, c'est peut-être à cause des toilettes. Alors ils vont peut-être aller faire plutôt le bébé ici. Voilà. Donc oui, comme je disais dans la vidéo de présentation,
On a des grenouillères pour les bébés, on va pouvoir changer leurs vêtements. Sauf que pour ça, bon déjà, il faut tricoter, ça c'est sûr. Oula, oula, c'est spécial votre truc. Mais on peut pas vraiment les voir déjà dans le créer un sim, puisque les bébés, on peut pas le cliquer dessus. Et puis pour voir ça en vrai, il faut faire un bébé, il faut en avoir un. Donc je me dis que vu que la grossesse dure 3-4 jours, eh ben autant mettre un bébé en route tout de suite, comme ça au moins au cours du let's play, elle passera sa grossesse et on pourra voir un petit peu les grenouillères des bébés plus tard. Ensuite, du coup, la petite... Oh, elle est pas bien. Mets tes vêtements de temps chaud. Ben oui. Voilà. La grand-mère. Ben pareil, faut changer, hein. Alors ça, c'est une petite tenue d'écologie. C'est trop mignon. J'ai essayé d'utiliser les vêtements déjà à disposition pour le kit, évidemment. Les deux coiffures pour les madames, c'est pareil. Ça vient du kit. J'ai essayé les coiffures pour lui, mais ça lui allait pas du tout par rapport à son front. C'était une catastrophe. Donc je lui ai laissé sa coiffure de base. Bon, de base, il avait les cheveux verts, mais ça, j'ai changé un petit peu. Donc oui, je les ai habillés comme j'ai pu avec les vêtements déjà à disposition par rapport au kit. Mais évidemment, on en a débloqué. Donc ça va se débloquer au cours de la compétence et puis on pourra changer un petit peu leurs vêtements tout au long du let's play. Alors, ils ont fait le petit crac-crac. On va aller faire le test de grossesse tout de suite. Oh, Donna n'est pas enceinte. Oh, bah on va recommencer, hein, écoutez. Hop. Oh, regardez, elle est naturellement allée d'elle-même sur la chaise à bascule pour penser à ses souvenirs. C'est trop chou. J'aime trop. Elle est géniale, cette interaction, je trouve. Enfin, cette action. Puis les petits coloris, enfin, les trucs qui arrivent comme ça sont vraiment bien. Je me faisais déjà la réflexion il y a quelques épisodes par rapport aux enfants dans le Random Legacy, je crois. Vraiment, c'est vrai que c'est quelque chose que visuellement je trouve très sympa. Ce qu'ils ont rajouté, l'imagination visuelle là pour les enfants, les bambins et tout. Mais du coup, c'est super chouette que les seniors aient ça aussi. Elle est toujours pas enceinte. Ça va pas du tout cette affaire. Ah bah, il y a Erin qui a fait des haricots saucisses. Pendant que Katlas essaye de faire à manger une pauvre petite salade, Erin a déjà fait à manger. Bah tiens. Tu vas venir prendre une portion, est-ce qu'elle est bonne ta salade? Normale, bon, on va la garder, ouais. Et la petite, elle a pas très faim, elle a envie d'aller aux toilettes. Divertissement bof, on va regarder la chaîne pour enfants. Hop. Erin, est-ce que t'as faim? Ben oui, viens prendre une portion toi aussi. Alors, est-ce que la troisième sera la bonne? Hop, redescends tout de suite faire le test. Oh, mais toujours pas. Cette loose. Tu ne feras pas ce let's play. Non, non, non. Allez, remonte ici. Toi, tu ne te couches pas dans le lit de ta fille. C'est n'importe quoi. Et c'est 8h. Bonnie part à l'école. J'ai un petit peu galéré à leur faire faire un bébé encore une fois. Donc, ils se sont couchés assez tard. Je les ai laissés tranquilles. On va faire le test de grossesse ce matin. On a mamie qui est levée également. On va passer à la salle de bain avant que les tourtereaux se lèvent. J'ai plein de leçons, de traits, de caractère. D'ailleurs, elle a appris le niveau 2 de la cuisine en discutant avec... sa petite fille, voilà. Compétence cuisine 2, elle était assise au bord de la piscine à discuter avec Bonnie. Mais sinon, tout va bien. C'est pas grave. Ensuite, tu vas prendre des restes. Et comment ils vont Ah, ça va, ils vont bientôt se lever. Alors, je vous avoue que pour ce let's play, le but, c'est pas du tout d'arriver à se faire de l'argent avec ce qu'ils vendent. Ils ont encore tout l'argent que je leur ai donné pendant la construction. Donc, c'est pas du tout un problème. Je veux vraiment voir comment se passe le gameplay, surtout. Hein. C'est... Encore une fois, purement de la découverte. Atlas est levé, tiens, viens prendre une douche, faire pipi, tout ça, et tu vas manger également. Ah bah tiens, viens faire ton test de grossesse. Ah, attends qu'il sorte de la douche, peut-être. Ah oui, il y a les votes aussi. Alors ça, j'ai pas envie de m'en préoccuper, donc on va désactiver ça tout de suite. Écologie, activer le vote des PNJ, pas du tout. Allez, l'heure de vérité a sonné. Est-ce que c'est bon pour cette fois? Ça y est. Eh ben, il était temps. Tiens, tu vas prendre une douche, du coup. Alors du coup, mamie, elle va aller se mettre à faire un petit peu de tricot. Donc pour ça, il faut qu'elle ait un panier dans son inventaire. Oh, quoique, on va lui donner le sien directement. Elle en a un dans sa chambre. Hop, soyons logiques. Ensuite, tricoter les bonnets. Alors ça, du coup, c'est le premier niveau de la compétence. On va tricoter un bonnet tigre blanc. Oh, c'est mignon. Et pour ça, elle va où? Au bord de la piscine. Ah ouais, d'accord. J'adore. C'est dingue. Attention, ne crève pas l'œil. Hein. Alors du coup, Donna va s'y mettre aussi. On va lui donner ce petit panier.
Et du coup, on va l'emmener dehors. Viens t'asseoir ici. Et tu vas nous tricoter. Voyons. Oh bah un petit panda. Alors, Erin a atteint le niveau 2. Elle peut désormais tricoter des chaussettes. Ah, bien. Alors, Erin, je la fais tricoter parce que voilà, je me dis que c'est chouette. Comme ça, plus elle en sait, plus elle pourra l'enseigner à la petite. Mais celle qui a l'aspiration, du coup, c'est Donna. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est tricoter pendant 5 heures. Commencer 3 projets de tricot en étant inspiré. Donc ça, ok. Et tricoter dans un fauteuil à bascule. Ah bah, le prochain, on le fera dans le fauteuil. Oh, on a le petit bonnet ici. Oh, c'est mignon. On va tricoter des chaussettes. Tricoter des chaussettes, c'est génial. Qu'est-ce qu'on va tricoter? Chaussettes mi-haute, bleues, à pois gris. On en a plein quand même, c'est assez fou. Je sais pas quoi choisir. Des petites soquettes pour la petite. Non, des chaussettes mignonnes. Mi-haute, grise et turquoise. Voilà. Et elle veut absolument tricoter dans la piscine. Je sais pas, ça doit être un kiff. Les pieds dans l'eau. Bon, en même temps, c'est l'été, donc c'est logique. Ça y est, Donna a atteint le niveau 2 également. T'en as combien d'heures? 1 heure. Oh, je trouve ça génial. J'adore voir la progression du tricot en vrai. Enfin, c'est pas du tout quelque chose que je touche moi-même ou que je vais regarder toute la sainte journée sur internet, mais c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Je suis désolée pour les à-coups de ma souris, je me comprends toujours pas ce qu'elle a, mais c'est pas grave. Peut-être ça vient de quand je voyais ma grand-mère en faire quand j'étais petite. Hop, ça s'est fait. Oh, elle est contente. Bonnie est rentrée avec un projet scolaire. Parfait. Alors, est-ce que tu vas bien? Tu vas toujours bien? On va te faire tricoter, bah du coup, là-dedans. Tiens. Non, Atlas. Oh, l'abus. Bah tiens, tu vas prendre la chaise de ta mère. Allez hop, viens t'asseoir ici. Alors, elle est dedans et vêtements tricotés, des chaussettes. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, par contre? On va faire... voyons. Chaussettes mirayées, multicolores. Magnifique. Il y a sa mère qui vient, genre, qu'est-ce que tu fous chez moi? Niveau 3, qu'est-ce que tu peux faire? Des boîtes aux lettres. Et des porte-plantes suspendues pour tous. Ok. Ça me fait délirer, le fait de pouvoir tricoter pour des boîtes aux lettres, c'est génial. Elle est contente. Ok, ça c'est fini. Projet de tricot terminé, regardez dans l'inventaire de Donna. Oui, tout à fait. Fais voir. Ah oui. Alors, on va s'occuper un petit peu de soi maintenant. On va prendre de la salade. Comment vont les autres? Un petit pipi, il faudra faire. Toi, comment tu vas? Ma mamie, écoute, il faudrait que tu remettes un petit coup de tricot, là. Comme ça, t'augmentes ta compétence pour la petite. Je sais plus vraiment s'il y a un minimum de compétences requis. Objet! Oh, tu peux passer aux objets! Ah bah oui! Une housse pour la boîte aux lettres et les plantes suspendues. Elle va faire une plante suspendue. Voyons. Ah, mais il y a toutes les sortes de plantes en une fois. D'accord. On va faire marron pour rouge. Allez, me dites pas qu'elle fait le tour pour aller tricoter dans la piscine. Mais non. C'est un truc de fou. Elle a tous les sièges à disposition qu'elle veut. Mais non. Bon, écoutez, c'est pas très tard et ses besoins vont bien. Donc je vais lui refaire faire un petit tour de tricot. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois? Tricoter. Eh bien écoutez, on va faire une boîte aux lettres. Comme ça, on pourra, vu qu'on, même si on en a déjà une, parce que j'en ai placé une sur le terrain, on pourra la vendre à la limite sur Plopsy plus tard. On va faire plein de trucs. Alors, niveau 4, elle peut désormais tricoter des tapis. Oh, trop bien! Bon, on en a, mais c'est génial. Je les trouve magnifiques. Puis j'aime bien voir tout ce que ça débloque. Super, merci. Merci, Bonnie. Tiens, viens t'asseoir, toi aussi. Alors, je sais pas trop comment ça se passe pour enseigner, par contre. Donc, vu que je trouve pas d'action, je vais voir si en commençant à tricoter, ça se débloque. Si tu tricotes... Non. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Tricoter. Tu vas tricoter où? Mais pas du tout. Tu tricotes ici. Mais c'est un truc de fou. Pourquoi elles veulent absolument aller tricoter ailleurs? Moi, quand je l'assois, elle tricote là où elle est. C'est dingue. Reprendre le projet de tricot. Voilà. Mais pourquoi tu veux aller le faire là-bas? C'est dingue. Et si j'assois mamie à côté de toi dans la piscine? C'est assez fou parce que Donna... Oui, Donna, elle reste bien là où je l'ai mise. Alors, si tu t'assois ici... Bah, je sais pas du tout. Je pense qu'il faut qu'elles soient toutes les deux sur un fauteuil, puisque c'est ce que les gourous avaient fait dans leur live. Je trouve pas du tout l'action et elle veut pas tricoter ailleurs que sur cette satanée piscine. Alors, Donna a fini.
Est-ce que l'action de tricoter ne serait pas quand même assez liée à là où on s'assoit? Parce que là, elle n'a pas eu de soucis. Là, elle n'a pas eu de soucis. Si je t'assois ici et que je te demande de tricoter, tu vas dans la piscine? Voyons. Tricoter, objet, tapis. Tapis, tapis rouge. On va en faire un vert turquoise. Voyons. Ah bah oui, elle s'en va. Ok. C'est assez étonnant. Il me semblait que dans le live des gourous, la gamine et la personne âgée restaient sur le canapé tous les deux pour tricoter ensemble. Enfin, pour enseigner. C'est étonnant. Alors du coup, je suis allée vérifier. Effectivement, l'action est toute bête dans la catégorie amicale. Donc je suppose que vu que je ne l'ai pas trouvée, ça doit dépendre du niveau de la personne qui va enseigner. Donc on verra ça peut-être plus tard du coup. Et donc, elle va venir tricoter... Qu'est-ce qu'on va tricoter? Tu vas nous faire une autre plante pour monter ton niveau un petit peu? Qu'est-ce que tu vas nous faire? Tiens, celle-ci. Bonnie a fini son petit projet. Je crois qu'elle a fait ses devoirs déjà. Oui, tout à fait. On a le temps pour le projet scolaire. Tu vas venir dormir. Alors déjà, on a la visite de Vlad. Super, on est ravis. Donna a atteint le niveau 5. C'est assez rapide. C'est pour ça que je pense que ce let's play va être assez rapide lui aussi. Voyons, elle peut désormais tricoter le cadeau ultime, les pulls. De plus, l'interaction enseigner le tricot est maintenant disponible. Ah bah voilà. On se demande et on a la réponse juste après. Donc c'est cool. Je vais laisser ça à ma amie, à Erin, pour qu'on ait quelque chose quand même de vraiment réservé au senior et que ce soit mignon. On va la laisser monter dans sa carrière, enfin dans sa compétence, et puis on va laisser le soin à Erin d'enseigner le tricot à la petite, comme ça ce sera chouette. Alors du coup demain il nous restera juste à faire ça, puisque c'est déjà minuit, je vais aller les coucher. Il faut commencer encore un projet en étant inspiré. Donc on fera ça demain, tout le monde va aller dormir, hop. Toi, quand t'as fini ton projet, pareil, tu vas dormir. C'est assez drôle parce que du coup, sur cette boîte aux lettres, ben, soit vous l'utilisez comme une vraie boîte aux lettres, université, un fichier des informations de facture, les plans de quartier, etc. Mais vous avez en plus toutes les interactions liées au tricot, c'est-à-dire la donner à une œuvre caritative, la détricoter, la vendre, enfin voilà. C'est assez drôle. Faut pas se gourer, sinon vous avez plus de boîte aux lettres. Alors du coup, ce matin, on a Erin qui tricote des petites soquettes. On va réveiller Donna, elle n'a pas tout à fait fini sa nuit, mais elle commence à avoir faim. Et puis après, elle va être super décalée, donc tu vas prendre des restes. Après, tu vas nous faire un petit pipi. Quand est-ce que tu accouches, d'ailleurs? Deuxième trimestre dans... ok, une heure. Ok, donc... mardi matin, on sera au deuxième trimestre. Donc mercredi matin, troisième trimestre. Donc elle accouchera jeudi. Et jeudi, on pourra voir les petits body pour bébé. Je pense que c'est ce qui terminera le let's play, parce que d'ici jeudi, à mon avis, on aura fait le tour de l'aspiration et de la compétence. Donc c'est vraiment pour terminer sur une petite note mignonne, de pouvoir voir un petit peu ce que les bébés peuvent porter. Ah bah voilà, hop, niveau 5 pour Erin. Elle va pouvoir enseigner ça à la petite. Hop, ça, on jette. Tu vas nous prendre une rapide petite douche également. Et elle est inspirée, donc on va en profiter pour lui faire tricoter un truc. Voyons, tricoter, reprendre, ah bah oui, étape terminée, voilà, alors atteindre le niveau 4 de la compétence tricot, c'est fait, tricoter en écoutant de la musique, ok, et vendre un objet tricoté sur Plopsy. Donc elle va finir déjà son truc en cours, on va le vendre sur Plopsy, comme ça au moins, ça validera ça, et on va peut-être lui installer une petite chaîne ici, pour qu'elle puisse tricoter en écoutant de la musique, alors, chaîne ici... Qu'est-ce qu'on va lui prendre? On va lui mettre un poste comme ça par terre. Hop. Voyons, allumer. Et puis, bon, on va mettre la nouvelle piste, là. Hop. Et est-ce que tu peux l'écouter en même temps que tricoter? Je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Faut qu'elle écoute d'abord et ensuite qu'elle se mette à... Oh! Ok, elle a glissé sur le côté pour terminer son projet. Très très fun. Tiens, écoute du métal. Et du coup... Est-ce que tu peux reprendre? Il te restait quelque chose, je crois. Reprendre ça. Oui! Tricoter en écoutant de la musique, c'est parfait. Donc elle va finir ce projet. Qu'est-ce qu'elle va mettre en ligne? On va mettre le tapis en vente sur Plopsy. Et ça, il me semble qu'il faut attendre qu'on ait des notifications pour des offres. D'ailleurs, chose que je vous ai pas montrée... Oh, niveau 6! Alors attendez. Dans l'ordre, elle peut désormais tricoter des poufs. Génial! Je vous ai pas montré dans la présentation, mais vous avez accès normalement. Si vous allez dans commander sur l'ordinateur, vous avez l'option parcourir Plopsy.
Et donc là, vous pourrez retrouver plein d'objets, j'imagine, qui changent de jour en jour, des objets fabriqués, enfin qu'on peut fabriquer en jeu, le type d'objet, style du tricot, des bougies, enfin tout ce qui est fabricable, il me semble, dans écologie. Donc voilà, il me semble que c'est possible aussi de vendre des tableaux. Alors est-ce qu'on pourrait acheter des tableaux? Je sais pas. Mais voilà, vous avez cette option. Tiens, fais du air guitare, toi. Hop, amuse-toi un peu. Il a pas du tout envie de faire du air guitare parce qu'apparemment, il faut qu'il se mette absolument ici. J'ai beau le déplacer ici, là, n'importe où, il faut absolument qu'il se mette de ce côté. Et il y a la chaise longue qui le gêne. Regardez. T'es un peu débile, hein? Pourquoi tu veux absolument te mettre là? Si tu viens ici. Ah non, ça marche pas, il a pas envie. Alors, elle a fini son objet et du coup, elle l'a mis en vente. Ah, faut vendre l'objet. Bah oui, faut pas juste le mettre en vente. Donc là, il est du coup sur Plopsy, vu qu'on a la petite icône de lapin et que l'arrière-plan est rose. On peut le retirer, on peut le détricoter toujours, on peut le donner à une offre, à une œuvre, pardon, et on peut l'offrir. Faudrait que je fasse un pull, puisqu'il y a quelque chose aussi dont j'avais pas parlé dans la présentation, c'est une espèce apparemment de malédiction qui se passe que quand on offre un pull à quelqu'un avec qui on a une haute relation. C'est pas forcément un coup sûr apparemment, donc les gourous auraient tendance à dire que ce serait pire qu'une nouvelle mort. Donc je suis désolée d'avance Atlas, mais c'est toi qui vas être notre cobaye. Je pense que du coup on verra ça à l'épisode prochain. Oui, puisque là pour l'instant c'est pas validé. Donc je vais peut-être en mettre un autre en vente pour voir, on va mettre les chaussettes. Et si ça se valide pas, c'est qu'il faut effectivement attendre qu'il soit vendu. Et pour ça il faut attendre une offre. Donc effectivement, c'est ça. Donc du coup, ben, je pense qu'on va se laisser là-dessus pour cet épisode. Ce sera vraiment très court, je pense. Dans le prochain, on essaiera d'enseigner du coup à la petite le tricot. On passera du coup cette étape si on arrive à avoir une notif pour une proposition d'achat. Et puis on verra du coup l'étape prochaine, ce qu'elle nous réserve. Et puis... Bah écoutez, dans 2 jours on accouche, on verra si ce sera à la fin du let's play ou si on aura encore des trucs à faire, mais voilà. J'ai très hâte de voir la suite de tout ça. Je suis bien contente de pouvoir explorer un petit peu un kit un peu plus en profondeur quoi, par rapport à d'habitude, c'est chouette. Et puis voilà, je trouve ça tellement chou, tellement... C'est encore une chouette surprise. Un peu comme l'avait été Jour de lessive, hein, puisque c'est vrai que le thème de ce premier kit communautaire n'avait pas forcément été très apprécié par beaucoup. Mais avec les objets et les vêtements, ça avait relevé le tout. Donc nouvelle bonne surprise et je suis ravie. Et voilà, j'espère que ce petit début de découverte vous aura plu. Et vous explique un petit peu plus ce qu'il y a dans le kit finalement, puisque ça fait suite à la vidéo de présentation finalement. Et donc ça vous permet de voir un petit peu les possibilités. Oh, elles vont jouer. Oh non, c'est génial. Donc écoutez, on va se quitter sur cette jolie petite image de Donna qui danse. Et puis on verra bien ce que sera notre première offre. Je pense pas qu'on se fasse des 1000 et des 100, mais bon, après ça peut peut-être être un moyen de gagner sa vie si on fait beaucoup beaucoup de tricot en fait. Si je sais pas du tout quel ordre de prix ça va être, donc surprise là-dessus. Mais ouais, j'ai hâte de découvrir ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Et puis j'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire ou à partager la vidéo. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la suite. Prenez soin de vous.